Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, un petit tuto tout simplement pour expliquer comment thermoformer un film de protection solaire quand le galbe est léger. Donc en fait, on va prendre le film, forcément le prédécouper aux formes du vitrage, vaporiser une solution avec de l'eau savonneuse à l'intérieur et venir positionner notre film. Donc cette technique fonctionne uniquement dans un sens, c'est-à-dire que si j'avais positionné le film dans ce sens-là, il aurait fallu que je traite le film justement dans l'autre sens. Donc quand je dis dans ce sens-là, c'est sorti du rouleau. Mon rouleau est comme ça, je déroule mon film dans ce sens-là. Voilà. Donc ensuite, on va diviser le film en deux en créant une petite ligne au milieu. Et déjà, on voit apparaître en haut et en bas quelques petites formes. Donc nous, on va les forcer un peu pour les créer et les mettre vraiment en valeur. On appelle ça des tubes. Voilà. Et ce sont ces fameux tubes que l'on va venir supprimer avec de la chaleur. Une petite pétouille sur la vitre. On recommence. Voilà. Et donc ensuite, décapeur thermique. Le but va être de, entre guillemets, faire fondre chaque tube en essayant de les espacer à peu près équitablement pour ne pas qu'il y ait un gros pli à un endroit et puis pas du tout à un autre. Donc là, je suis entre 300 et 400 degrés. Et quand je vais approcher le décapeur, je ne sais pas si vous verrez à l'image, mais le film va commencer à friser. C'est pile à ce moment qu'il faut passer un coup de raclette dessus pour le lisser. Donc voilà, là le galbe était léger, donc en une passe, voire en deux, puisqu'on voit qu'ici ça commence à réapparaître, ça suffit largement. Donc cette technique peut vous permettre de passer des vitres relativement bombées en faisant plusieurs fois cette étape. Après, sur des lunettes arrière, il y a d'autres techniques. Mais en tout cas, voilà la combine. Sur ce, bonne fin de journée. Ciao.